Ah la vache, c'est une sacrée belle vue, hein. J'arrive même à tout voir ici. Mais bon, c'est pas tout ça, mais on a des choses à faire. Ici tout le monde, ici Lego Scott qui est là pour vous mettre de bonne humeur. On se retrouve pour l'histoire pour un nouvel épisode, donc, qui est normalement la... Alors c'est soit la 11, soit la 12, bien fort possibilité. Donc, pour un épisode donc, sur Minecraft Xbox 360 édition, où donc, après donc, le précédent épisode, donc, on a fait un peu le tour, donc, dans le Nether. Donc, on a pu, donc, découvrir des choses. Et que bien sûr donc j'ai pu créer enfin une ferme. On va pouvoir donc déjà donc que faire des choses. Alors ce que je prévois déjà faire au cas, c'est que je vais prendre en cours mes outils un petit peu qui sont ici. Et je prévois déjà au cas bah c'est qu'en fait le principe que j'ai prévu au cas de faire d'abord, c'est d'aller au cours comme vous avez comme j'ai vu dans enfin on a vu dans l'épisode précédent, c'est qu'il y avait des blazes. Et moi je pense au cours c'est d'aller en récolter. Déjà il est temps déjà de récolter un peu les cultures. Alors déjà à moi, du coup, hop, on plante, on va profiter donc de faire un petit peu de blé, oui, un maximum de blé. D'ailleurs, je récolte une bonne moitié. Allez, hop, voilà, et on fait comme ça à chaque fois. Par contre, ça te demande au co, voilà, hop, donc voilà. Donc, déjà, je fais un petit peu de jardinage pour voir où sont les animaux, pour voir s'ils peuvent faire d'autres bébés, et pour voir comme ça, on va pouvoir continuer. Et voilà, je crois bien que j'ai presque... Non, c'est bon, c'est pas cassé. Alors voilà, donc là j'ai déjà 18 de blé. Du coup, déjà, je vais entrer les animaux. Je vais les faire venir. Je vais un petit peu les accoupler. Voilà, comme ça ils vont faire des petits bébés. Alors il faut juste que le petit, il sort. Pas, alors attends, déjà, on va faire un contour. On va tous les faire amener ici. Voilà, et par contre, j'espère qu'ils vont pas fuir. Dégage le petit cochon. Voilà, comme ça, ils vont pas sortir. Du coup, je vais me faire au coup du pain. Et comme ça, on va pouvoir y aller. Alors, voilà, donc, un petit peu, donc, c'est qu'on va donc aller tuer donc un peu de blaze pour pouvoir donc en collecter. Alors, déjà, les alimentations, c'est là. Donc là, je vais me faire un maximum de pain. Voilà, bon, il y a un petit peu de blé. Alors, du coup, ah oui, j'ai trop de blé. J'ai... Bah, tiens, j'ai presque aussi, à la limite, pour faire du pain un petit peu plus supplémentaire. Voilà, et maintenant je vais pouvoir donc le ranger, hop, et du coup on va dans le Nether. Et d'ailleurs par exemple si je le trouve au coup des slimes, est-ce qu'il peut faire au coup des slime balls? En gros pour voir que je puisse faire au coup des pissons, et je crois bien, ouais peut-être faire les pissons à la limite. Alors déjà donc la Nether récoltée, je vais profiter des cassés, et on va profiter d'en remplanter un petit peu plus. Voilà, plus il y en a, plus t'es content, voilà, et du coup c'est parti pour le Nether. Voilà, on y est, donc en gros c'est que j'ai creusé donc un trou avec, je penserais d'ailleurs faire un peu de lumière ici, donc une sorte de couloir qui permettra d'amener un peu à l'extérieur. Seul problème, c'est qu'il y a des blades, enfin des fautes, des ghosts, qui nous tirent déjà dessus. Mais bon, heureusement, j'ai esquivé avec succès. Alors, déjà, petit rappel, apparemment, les blades se trouvaient dans cette direction. D'ailleurs, je retrouve même une torche. Parfait. Et apparemment, les blades sont mes sources... Bah tiens, c'est quoi déjà ce lieu? On va feuilleter. Dex. Glory. Parfait, je vois que dalle, mais attends. Attends, je vais prendre ma torche, on va poser dans un coin. Et hop. Quoi ici? Ah, est-ce que... Il y a du slime? Non. Ah non, je rappelle ce passage, c'est pas là où il y a une sorte de trou ici, quelque part. Ah, ok. Ouais, c'est bon. Bon, et après, et normalement, selon mes sources... Ça doit se trouver juste ici et ça doit être au fond à gauche. Dans la petite musique qui va t'entraîner avec. Moi, c'est quelque part par là et normalement, s'ils n'ont pas encore popé, c'est une bonne chose. Ah, aussi, t'as une forme qui est à Blaze. Ok, il y a un slime. On va profiter de le buter. Et hop, est-ce qu'ils peuvent. Est-ce qu'ils lâchent du loot? Non, à part un petit peu d'XP. Alors, ici, c'est un lieu encore pour monter. Chose, non, je vois encore une sortie ou par contre j'y serai de donc me faire cramer, donc n'allons pas tout de suite. Alors donc les blés sont donc ici et donc c'est parti d'en buter, approchez-vous, approchez, approchez, venez, venez.
dès que j'en vois un qui spawn. Il est tombé, il est tombé. Ok, il est par terre. Vite, laisse le pas le retour. Oh, vite. Merde, vite. Allez. Encore. Putain, ils ont tous popé. Bon, allez, déjà un. Il est où le second? Je vais mourir. Ah, coucou, coucou, coucou. Cours, non, 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 et merde. Et voilà, tout est de l'autre côté. Non, mais moi, j'y vais trop comme un bourrin, hein. Bon, vite, je vais vite reprendre au coup une pioche et je vais vite récupérer mon loot. Ouais, c'est bon, j'ai mon armure, j'ai mon armure. Ouh, putain. Là, équipement, voilà, après, je faudrait que j'ai pas trouvé plus d'éléments. Enfin, au passage, j'ai découvert un pigman. Un pigman. Attends, est-ce que je vais essayer de le revoir? Alors, il est où déjà? Il est où, il est où, il est où? Ah, voilà. Donc, voici donc un pigman. Donc, bon, bien sûr, vous l'avez tous, mais voilà, dans sa version. D'ailleurs, je fais un petit coucou. Mais attention, si vous le tapez, il va vous faire mal. Ok, t'as un slime ici. Alors, d'ailleurs, heureusement, j'ai mon épée. Je vais d'ailleurs, j'essaie de rapprocher, histoire de le buter. Par contre, les gros slimes, en fait, eux, bien qu'ils sont que de... Du lézard, en fait, ils te popent pas de boules. Oh, putain. D'ailleurs, mais fait tirer comment pour tirer. Aïe. Mon XP. Voilà, donc on va retourner au coup pour farmer un petit peu de Blaze. Alors voyons voir, j'en ai combien? 3. Normalement pour faire des Ender Dragon, là c'est, il en faut plus. Donc du coup, on remet, on reprend ton épée. Mais donc en fait, le problème, j'en ai pensé, mais c'est que en fait, ils sont tous... ils sont tous là. Mais alors, comment faire? Je vais vite miner ça, je vais quand même garder le bloc et on y va pour le fight. Alors ils sont où? Vite, 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 vite. Il est où? Il est où? À moi! À moi! À moi! À moi! À moi! À moi! La putain de barrière à la con! Vite, vite. Hop. Je tire! Je me tire! Je me tire! Hop là! C'est bon! Je suis en sécurité, mais quand même, j'ai eu chaud. Bon, récapitulons. 5. Très bien. Ah oui, là, il y avait d'autres blazes, mais... en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont protégés? C'est ça que je me pose la question. Bah tiens, je vais profiter avec quelques petits champignons. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Pourquoi pas en faire? Et par contre, le problème, c'est que je vais crever. Donc, je vais bouffer du pain. Et sur ma vie serogène, voilà. Et là, je vais profiter de récolter tous les champignons qu'il y a dans cette zone. Bah oui, autant reprendre. Comme ça, on peut se faire... quelques bonnes petites soupes. Alors. Voilà. Oula. Bon, voyons voir. Donc là, on a notre pigman et... non, je vais pas tenter le coup parce que sinon je vais mourir comme une merde. Donc du coup, leur chance de passer, il faudrait que je pense au quoi à créer un tour spécial. Alors vite, on y va. Il y a des blazes à horizon. Enfin, des ghosts. Non. Aucun horizon. Très bien, bon, rentrons vite. Voilà, donc on va oublier de sautiller un petit peu. La fameuse technique un peu du speedrun. Voilà, rentrons à la maison. Ah, parfait, en plus il commence déjà à faire... Ok, donc il commence déjà à faire nuit, alors pourquoi pas déjà d'aller un petit moment au pieu. Oui, au pieu, comme ça pouvoir dormir. Ouah. Et donc, grosse journée, hein. Alors, voyons voir. Donc, là, maintenant, là, donc, j'ai un peu pris mes bâtons de blaze, que je vais d'ailleurs conserver. Alors, voyons voir. Ici, c'est tout ce qui est matériaux. Là, c'est tout ce qui est autre chose. Là, c'est tout ce qui est redstone. D'ailleurs, là, pourquoi mettre des pancartes ici? Pourquoi pas mettre des pancartes ici? Donc, j'ai un peu le reste de glowstone. Bâton de blaze. Alors, ça, en alchimie, sert pour localiser les forts... produit par les blaze qu'on a trouvé à proximité ou à l'intérieur des forteresses. Mais en général, par contre, je voudrais me poser la question. Alors, j'ai une underpet. Non,
non, garde-la. Garde-la précieusement. Ça, c'est pour fonder les tentacons. Alors, juste, produit par les dommages jusqu'à la mort, lorsqu'elle est dans ce genre, elle est portée jusqu'à la zone d'impact de la perle noire et prendra un peu de santé. Très bien. Alors, donc j'ai un peu de sésame. Je sais pas trop quoi en foutre, là. Mais par contre, je vais profiter de prendre un peu le reste qu'il y a. Ma bête du laser aussi. Et je voudrais bien, au coup, prendre au coup un peu de la pierre taillée. Histoire de faire un peu quelques trous. Alors, la vitrine, ça, je peux tout garder. Alors, par contre, ce que je vais mettre à la poubelle, ça va dégager. Par contre, le CSNT. Attends, mais j'ai... Ah, ok, il est mis ici. Très bien. Alors, j'y vais donc. Alors que déjà, ça, je vais plutôt le jeter. Voilà. Et maintenant, je crois même que je vais déjà profiter d'aller dans le laser. Histoire déjà de fabriquer un petit peu mon entrée. Et j'espère pas avoir envie de me faire exploser la gueule. J'espère, en tout cas. Et... Allons-y justement. Alors, je ne veux pas me faire exploser, comme on dit, la gueule. Alors, voyons voir déjà si je récupère donc. Alors, voyons voir. Donc, si les gosses sont pas dans les paras, c'est au moins une bonne chose pour fortifier mon entrée. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Coucou! Au revoir! Coucou! Coucou! Oh putain! Oui! Coucou! Au revoir! Coucou! Oh putain! Oh putain, il y a un sling qui m'a failli me buter! Ok, du feu! Coucou! Oula! Putain, mais barre-toi le slime! Il veut mon bacon! Oh. Hop! Bon, là, je parie que les petits vont descendre. Coucou! Oh putain! Putain, j'ai failli avoir les boules. Oh, attention! Ouh! 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 Hop, boum, 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 boum! Et hop! Ouh! Ouh! Oui, 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 oui! Ouh, là, ça brûle! Oui, 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 oui. Meurs toi! Attends, on a éteint. Éteint. Ouh putain! Yup, yup. Ah non. Clac, clac. Un petit trou ici. Et ben, je vais carrément l'amener tout là-bas, jusqu'à la porte ici. Voilà, comme ça, ça fera un beau petit trou. Enfin, quelque chose d'assez fortifié. Planck ! Tac tac tac, oui, je construis carrément un tunnel, comme ça ils me feront pas chier. Enfin, si ça a bien intérêt. Et voilà, donc j'ai presque plus de la pierre. Du coup, je vais profiter de casser ces rebords, histoire de les récolter. Enfin, je l'espère. Et vite, on rentre à l'intérieur. On fait les trous ici. Un là. Et après, je pourrais... à la limite, là, faire une sorte de colonne ici. Voilà, presque bloc près. Et en fait, je vais plutôt rajouter des lampes. Enfin, s'il reste encore. En fait, c'est qu'il y aura donc un trou ici. Donc, il va être remplacé par cette torche. Et le dernier, je promets que s'il m'en reste encore, je ferai une petite porte. Mais déjà, hop, voilà. Et maintenant, retournons pour reprendre la glowstone. Voilà, j'ai fait un portail, mais parfait, d'une bonne qualité. Donc là, en tout cas, je peux pas louper. Au moins, c'est bien éclairé. Alors, par contre, je suis en train de penser, en fait, à un truc... ok, c'est quoi le gros trou, en fait? C'est moi qui l'ai fait. Ah oui, il y a un truc, en fait, qui est assez marrant, par contre, avec, si vous voulez, donc, le... Comment dire? Je suis totalement buggy. C'est que, apparemment, si vous voulez, le gravier ou le sable s'y tient en fait. Le truc marrant, c'est que si vous mettez un bloc, et ben ils vont tous tomber comme des dominos. Je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui était marrant. Et que des fois, si vous voulez, ça cache, regardez ça.
Et hop, et là, boum, ils tombent tous. Je vais reprendre mon bloc. Enfin, je vais plutôt profiter des cassés. Je vais casser même avec du pain, tiens. Soyons fous. Et en régia, c'est qu'il n'y a pas grand chose de particulier. Voilà. Bon, après, bien sûr, quoi, les gosses, ils peuvent carrément me tirer de loin. Par contre, je suis en train de demander, en fait, c'est que. En fait, je crois bien, en fait, explorer. Explorons vite. Et ils tentent de se faire poutrer. Du coup, on saute, on saute, on saute, on saute. On fait boing, boing. Bon, par contre, faisons attention au slime. Ghost! Cours! Cours, cours, cours. Cours, 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 cours. Va à droite. Non, impasse. Passe par là. Cours, cours, cours. Ok, rien du tout. Par contre, ok, un ghost là qui est en train de se faire poutrer. Bon, voyons voir. Ici, il n'y a rien du tout. Ici, ça y a rien du tout. En gros, là, c'est carrément une sorte d'impasse. Ok, très bien, je peux faire le tour. Par contre, aïe. Ok, je suis en train de me faire tirer. Allez, on fait comment dans un film d'action? On met comme ça, caméra. Wouhou! Et voilà. Bon, je vais dire là, j'ai assez de blaze. Bon, allez, on va se former quand même un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Alors déjà, prends-nous du pain. Miam, 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 miam. Et par contre, essayons de recruter un peu plus. Par contre, j'entends vraiment me poser la question. En fait, concernant les blaze, comment je vais faire pour essayer de les cacher? Enfin, pour essayer qu'ils s'échappent. Parce qu'en fait, là, c'est qu'ils sont un peu dans le genre aéré. Et le problème, quand ils sont aérés, et ben c'est qu'en fait, ils sont en train de tous se barrer. Seulement là, j'ai plus de la cobble, mais par contre, attendez. Je crois qu'on va plutôt rembourser le chemin, et je vais déjà aller préparer ma petite cobble. C'est bon, on y est. Maintenant, le plus dur maintenant, c'est d'essayer au coup de crasser donc déjà les blocs qu'il y a, et surtout, d'éviter donc de se faire prendre par les blazes. Ça, le plus chiant, c'est que ça va être au coup de son retour. Alors, déjà, j'aurais pu baisser au coup... Pourquoi j'ai pris mon or? Bon, c'est pas tout ça, mais faut y aller. Fouillez! Oh putain! Ils sont déjà! Très bien! Attends. Approche, approche. Non, tu dégages! Ça va être chaud du cul! Vite, 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 vite. Non, 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 je vais crever, vite. Tire-toi et merde. Y a pas trop ce que mon stuff au là. Par contre, le problème quoi, c'est qu'il se trouve là où se trouvent les spawns. Et le problème quoi, c'est que je vais me faire mais shooter la gueule. Bon, vite, vite, reprends tout. Mais c'est vraiment un épisode de malchance d'ailleurs. En fait, quand j'en parle au portail, je vais me mettre comme ça. Comme ça, j'arrive pile devant. Ouais, c'est la catastrophe. Allez, réfléchis. Allez, hop, cours. Allez, vas-y, va rechercher ton stuff avant qu'il soit trop tard. Allez, hop. Et le problème quoi, c'est que comme les blazes là, au coup, j'ai oublié de remettre le trou, ils vont être relâchés. Et du coup, le problème quoi, ça va être la grosse merdasse. Allez, on y croit. On va réussir. Oh, je fais que de passer. Vite. Mais passez-vous, putain. Bloc. Non mais c'est vraiment là, je suis vraiment comme un con hein. Non, je pars trop en avant. Mais maintenant le truc le plus important qui va être ultra chiant, c'est que c'est au cas où c'est démunir les blazes. Oh attends. Attends, j'ai toute ma petite stratégie, attends. Attends, déjà. Oula. Aïe. Ce que je voudrais faire, c'est tirer en dessous. Comme ça, ils m'auront pas. Et on va taper dans le dessous. Et là, je vais essayer de reprendre. En fait, c'est plus à passer par en dessous et ensuite à boucher le truc. Surprise, motherfucker! Ouh, putain! Tout un. Il m'a fait passer un screamer le truc quoi. Genre, coucou! Bon, en fait, farmer des baisses, il faut mieux faire comme ça. Hein. Mais bon, je remets en fait le plus dur qu'en fait, c'est que comme. Bah, il faut vraiment que tu fasses toucher une première fois. C'est jamais le bon. C'est que en fait, comme ils spawnent tous comme ça. Oh putain! Non, dégagez.
Mine, vite, reprends tout ça, et maintenant, tu... Oui. Oh. Ah, putain. Ah, la vache. Non, mine. Pose ce bloc. Et maintenant, oh, fuis. Fuyez, pauvre fou. Non, mais je crois même que j'ai pas d'autre choix. Je crois que je vais plutôt faire du off là et bloquer au cas où... enfin, plutôt faire un gros tunnel. Mais par contre là, je vais essayer en off. Si vraiment ça marche pas, le mode créa devra... Non. Cette fois-ci, faisons-le, j'utilise une fois, faisons pas une deuxième fois. Bon, en tout cas, maintenant, le truc qui va être plus dur, c'est de créer au coup une sorte de toit qui évite que les blesses se cassent là. Je sais que le stuff au coup parte carrément, mais n'importe où, mais là, ça va être mes chauds du cul. Hop, là, je fais un petit reculon, je vais en arrière, et là, je vais déjà petit voir ma ferme, comment elle va. Ok, il y a un zombie qui meurt, ça, c'est une bonne chose. Je vais profiter déjà de faire un peu de la culture. C'est parti. D'ailleurs, il y a même la musique au coup qui démarre. Dis donc. Ah, bien. Mon plastron. Non, mais il était où, mon plastron? J'ai pensé, mais en fait, mon plastron, il est où? Oh putain, faudrait que j'y retourne. Bon, bah, je vais rechercher mon plastron. Non. Bon, comment dire? Là, j'ai eu totalement eu le seum. Oui, je sais, mais par contre, le problème, c'est que quand t'as le seum, c'est que c'est vraiment chiant. Parce que le seum, ça se fait pas. Du coup, bien sûr, quand j'ai dit au coup, me rend gif, j'ai même au coup, bien sûr, pris 16 diamants parce que là, trop, c'est trop. Le seum, ça se fait pas. Et en plus, quoi, les blesses, ils arrêtaient pas beaucoup de me faire au coup des passes là, genre comme une balle, enfin, comme un petit ball là. Mais là, vous jure, là, j'en peux plus. Hein. Non, mais là, je jure que, bien sûr, d'un côté, j'étais genre. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Trop, c'est trop. Non, mais franchement, là, j'en ai vraiment mais plein le cul. C'est quoi cette série? En plus, là, pourtant, c'est la première saison. Et d'ailleurs, là, je commence déjà à me faire un coup poutrer la gueule. Sérieusement, hein, non, mais là, c'est trop, c'est trop. Bon, je vais quand même au coup m'arrêter là, parce que là, bien sûr, trop, c'est trop, bien sûr, trop deux. Mais là, c'est vraiment, mais impossible du cul. Bon, je peux pas redire au coup, c'est pas possible, parce que sinon, là, je vais couper un câble. Mais bon, voilà quoi. Bon, par contre, là, bien sûr, quand je me suis rendu au coup, par contre, entre carrément le pack total, parce que là, je peux plus. Par les diamants, sur un côté, il y aura pour la table d'enchant, et l'autre, là, sera, voilà. Et par contre, le seul point qui est positif, c'est que j'ai récupéré déjà 13 bâtons de feu. Yeah. Et au passage, j'ai trouvé donc une crème de magma. Voilà. Et par contre, normalement, je vais par contre regarder quelque chose, mais normalement, pour faire au coup un Ender, enfin un œil de, enfin un œil du dragon, c'est comment déjà? Alors là, tu as tout ce qu'il faut. Alors voyons voir, c'est déjà où les trucs. Alors déjà pour faire ça, tant qu'il faudrait, d'accord. Déjà pour faire l'œil du dragon, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Ah ok, il faut du feu et un Ender. En gros, je peux déjà donc en construire presque un, vu que j'ai qu'une seule perle. Franchement, je me pose la question. Dans ce jeu, comment on fait pour trouver au général des Enderman? Parce que là, que je me dis, je vais par exemple en farmer. Le problème, c'est que quand on a les Nether, ils peuvent pas se trouver là. Ils seront en général dans des endroits un peu caverneux. Bon, allez, je vais profiter déjà de récolter le petit blé. Et on va s'arrêter là, personnage, je vous jure quoi. Mais quand tu as ça, et surtout au début, où tu as carrément le karma, là, je te jure là, que là, tu t'es vraiment pris la plus grosse tollée. C'est comme si ça se faire rejeter ou exclure. Bon, allez, déjà, je vais récolter mon petit blé tranquille. Comme ça, on va se calmer. Et sinon, après, je vais pouvoir rentrer chez moi. Voilà. J'ai déjà, d'ailleurs, par contre, au cœur reposé tout ce beau blé. Tous les animaux sont là. Je profiterai au coup d'aller voir si je trouverai pas des poules dans les parages. Mais en tout cas, c'est vraiment pas possible. Voilà. Alors déjà, hop, je vais reprendre mon petit blé. Et du coup, on va refaire un petit peu de pain. Parce que le pain, c'est la vie. Et hop. Oh, parfait, il y en a plus qu'il faut. Et hop, je stocke tout ça. Et on va souffler un petit coup. La vache.
Donc là, je vais mettre dans un coin tranquille. Donc je vais retourner. Ben non. Tiens, on va se mettre là, ici, à côté de mon chien. Par contre, les cantons, c'est vraiment galère. Voilà, c'est déjà la fin donc, de cet épisode. Surtout assez rageant donc, de Minecraft X360 édition. J'espère en là qu'on va essayer au coup de buter les temps dragon avant, si vous voulez. Enfin, pas avant 2020, parce que là, c'est déjà trop tard. Mais je veux dire, avant été, au printemps. Donc, pas donc de liker, commenter, partager, vous passer ta ma chaîne. Et cliquez sur la chaîne, je pense à tout effectuer. J'aurai une vidéo. Bon, je crois que je vais aller me reposer un coup. Alors, je sais pas ce qu'on pourrait faire dans le prochain épisode là, à part que on pourrait aller soit explorer, voir concernant les zones, on pourrait aller plus loin. Mais quand même, je veux quand même explorer de nouvelles zones, et peut-être trouver au coup des dungeons, et peut-être aussi, par exemple, à la limite, savoir où pourrait se trouver l'emplacement des temps dragons. Allez, moi je vous dis une chose, c'est tchuss! Et là, je me souffle.